Merci, monsieur le président. Madame la première ministre, le prince président nous a gratifié à l'heure méridienne de sa bonne parole. Totalement hors sol, il a annoncé continuer à avancer à marche forcée. Totalement hors sol, il a osé comparer l'un des plus grands mouvements populaires de notre histoire à la sédition factieuse des suprémacistes blancs envahissant le Capitole. Totalement hors sol, il a insulté les manifestantes et les manifestants sans avoir un mot pour condamner les exactions de la police qui, sous vos ordres, tabassent, nassent, jettent des grenades en pleine tête, roulent à moto sur les gens, intimident et arrêtent n'importe qui, n'importe quand, sous le regard alarmé du défenseur des droits. Totalement hors sol et a plu à une incohérence près, il a tout de même reconnu que cette réforme était brutale et surtout incomplète, qu'elle ne s'intéressait ni à la réalité du travail, ni à la pénibilité, ni aux fins de carrière, ni aux reconversions. Alors, Madame la Première ministre, avec gravité, avec inquiétude, nous vous le demandons solennellement. Revenez à la réalité et retirez cette réforme avant d'avoir un drame sur la conscience.